Are you listening? Damn. Bon, bah alors un premier match de championnat qui vous a réussi, mais c'était quand même assez serré. Finalement, vous avez été plus réaliste qu'eux, parce qu'on a vu ils ont quand même tapé deux fois sur le poteau. Et vous, sur votre première action, vous marquez, puis après, voilà, vous avez plutôt bien géré la rencontre. Exactement, oui. On était en pleine préparation cette semaine, donc c'était difficile avec des absents. Ce genre de match, on gagne une fois sur dix. Les neuf autres fois, on les aurait perdus. On l'aurait perdu, mais les joueurs ont joué le jeu malgré la chaleur. Et on savait qu'il y avait des espaces dans leur dos, donc c'est ce qu'on a fait. On a pris leur défense comme ça, en contre, et ça nous a réussi. Après, c'est vrai, ils touchent deux fois les poteaux, mais je pense qu'on peut mener aussi 2-0 à la pause, vu ce qu'on a fait. Et en deuxième mi-temps, sur le dernier quart d'heure, ça nous réussit. Hein. On a eu très peu d'occasions, une ou deux occasions en deuxième mi-temps. Et mon gardien a été très bon sur les cinq dernières minutes. Ouais, c'est quoi qui a fait la différence pour toi? C'est plutôt ton attaque qui a été rapide par rapport à eux? C'est vraiment tout le collectif. Nous, on s'était préparé pour les 10 autres matchs en sachant que Saint-Jacques était favori. On s'est dit qu'il fallait rester en bloc, essayer de jouer si on pouvait, mais on a vu qu'on ne pouvait pas. Et on en a su s'adapter et jouer vraiment le compte dans leur dos, ce qui laissait vraiment des grands espaces. On avait pu le voir en amical face à leur U16, et c'était un défaut chez eux, et on en a profité. Il y a aussi la notion un petit peu de derby, les deux clubs sont à côté. Enfin, et Saint-Jacques, comme tu dis, est favori puisqu'ils descendent, eux. Ouais. Donc voilà, est-ce que la pression était sur eux finalement, et puis vous avez un petit peu joué de ça? Nous, je pense qu'on a joué de ça, parce qu'on a eu quand même l'intersaison 10 départs chez nous. On a joué avec des 2001, donc un U16 qui jouait derrière dans l'axe, je lui ai fait entièrement confiance. Il a réussi son match, et d'être en reconstruction comme ça, les joueurs étaient peut-être vraiment libérés. Ils ont vraiment fait des efforts malgré la grosse prépa qu'on a fait cette semaine. Ils ont continué, parce qu'on a vu qu'ils n'avaient pas de jambes d'entrée, mais ils ont continué, ils ont été cherchés au fond d'eux-mêmes. Ce qu'il faut dans un derby, ça nous a réussi. Voilà. Ça y est, le championnat est lancé là, officiellement. Qu'est-ce que tu vois pour la suite là, dans cette poule? Nous, c'est absolument le maintien. Donc finir dans les 6 premiers avec la réforme, avec ce championnat sur 11 matchs avant la trêve, avant décembre, c'est finir dans les 6 premiers pour pouvoir être libéré et être sûr de rester en PH dès le mois de décembre. Après, on verra les ambitions. Je pense que après, je ne me fais pas de soucis pour Dimitri et Saint-Jacques avec l'équipe qu'ils ont. Ils gagneront tous leurs matchs à domicile et ils iront chercher des points à l'extérieur. Ils seront à la fin, ils sont favoris, à la fin ils seront en haut. Hein. Je ne me fais aucun souci pour eux. Quoi. Oh, justement, la question c'est comment tu vois la suite un peu pour Saint-Jacques par rapport à cette première rencontre? Bah, tu l'as dit, tu t'inquiètes pas. Ils sont toujours favoris malgré la défaite? Ben, ils sont toujours favoris. Après, il faut qu'ils corrigent comment on les a eus. Il faut qu'ils corrigent ça chez eux. Après, c'est leur travail. Nous, on a le nôtre. Je pense que la problématique, elle n'est pas là. Le football, ça joue pour gagner. Et à partir du moment où il y a un adversaire qui a déjoué totalement, mais qui a gagné, donc au final, qui était meilleur que nous, c'est bien beau d'avoir le ballon, c'est bien beau de frapper sur le poteau, c'est bien beau de vouloir se la régaler et de venir avec des grosses têtes. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se remettent vite en question, mes joueurs. Parce que là c'est vraiment un coup de gueule, parce que c'est décevant. On n'a pas le droit. On a concédé 3 attaques, 2 buts pour Beaumont. Bravo, félicitations à eux. On a, j'ai pas envie de trop d'exagérer, mais les vidéos parleront d'elles-mêmes, et 10-15 face à face, facile. C'est pitoyable. On n'était pas efficace dans la zone de vérité, dans les deux zones de vérité, ni défensivement, ni offensivement. Quand vous voyez qu'ils attaquent 2 ou 3 fois et qu'ils marquent 2 buts, c'est pas normal. Je pense pas qu'ils nous ont fait déjouer. Je pense pas du tout, parce que sans leur manquer de respect, pour moi, ils n'étaient pas du tout en place. Ce que j'aurais dit à mi-temps, il y avait des ouvertures de partout sur les côtés, il y avait des ouvertures dans beaucoup de zones de jeu. Nos milieux de terrain, ils étaient seuls en permanence. Donc non, moi je pense pas qu'ils nous ont fait déjouer. C'est que nous, on a joué sur un raid de sénateurs avec des jeunes qui ont voulu pas passer à la deuxième, tout simplement.
on sera favori le jour où dans 6 mois on pourra compter les moutons et on sera premier. Si on est, pour moi, comme je leur dis chaque semaine, on a un objectif à atteindre, c'est pas comme ça qu'on pourra l'atteindre. C'est impossible. On ne peut pas l'atteindre comme ça. Je suis totalement mécontent. Je n'ai pas reconnu un groupe qui était même pas dans la réaction. J'ai trouvé vraiment trop tendre. Je sais pas. Franchement, j'ai pas à chaud comme ça. Dans tous les secteurs, on n'a pas été bon. Mais la défense, oui, voilà, t'as trouvé le bon mot. Catastrophique. Voilà, d'extérieur, vous le voyez comme ça. Nous, de l'intérieur, on le voit encore plus comme ça.